Je lance la VOD maintenant. Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Ezeov qui s'abonne à la Zerator Télévision, bienvenue à toi. Donc c'est parti pour la VOD. Alors on va mettre un petit peu de temps avant de jouer parce qu'on va présenter un petit peu l'équipe d'abord. On va discuter avec les gens. J'aurais voulu savoir si tu comptes participer en compagnie des aliens à des TZRT Dragonia Cup. Nice to stream, ce don est juste fait pour offrir un coussin à ton futur trône, un coussin rave party. Non, je ne participe pas au Trackmania Cup, je les suis avec attention et en plus les joueurs les stream en général l'après-midi où la cup a lieu, donc c'est plutôt pas mal. Oui, allô. Allô. Oui. Allô, allô. Salut, bonjour salut. Les amis, alors je suis avec Digital Lines et Infamous, alors je sais pas si on dit Aika ou Eka. On s'en fout, c'est pas grave, Aika. Aika, allez ce sera Aika. Donc salut, salut, oh y'a Domingo aussi. Bonjour, salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, salut Aika. Bon il manque Juice qui arrive et voilà. Alors nous sommes réunis ce soir afin de eh bien, nous entraîner et de célébrer le mariage de l'argent sur oui. World of Tanks, j'espère que vous allez tous bien. Juste pour percer, crever l'abcès et percer le malaise, est-ce qu'on peut jouer à 5 à ce jeu? À 6, pardon. Ah non, on est 5. Bah, en salle d'entraînement, ouais. Mais bah pas on est 5, Zera, non? Pas oui, on est 5. On est 5. On peut pas taguer à 5, on est d'accord? Pas en FFA, non. D'accord. Donc comment on va faire? Est-ce qu'on doit jouer contre des viewers? Est-ce qu'on va trouver des salles de... Comment on va faire? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonjour, Juice. Bonsoir, Juice. Eh, ouais, salut. Bonsoir. Pourquoi il s'appelle? C'est un peu tard, mais il faudrait créer un clan, oui. Je crois. Je pense qu'il faudrait créer un clan. Eh ben, tu sais quoi, vas-y mec, lance-toi, crée le clan. Bah, je suis grave chaud pour que tu crées le clan là. Je suis grave chaud pour que tu crées le clan aussi. On est sur le chan, on est sur le chan Shock 2. Si vous voulez non, nous mais parler, là, ça va être trop galère. Je pense que ça va être trop galère de créer un clan maintenant. Ah ouais, enfin, ah ouais. Je pense qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il faut aller sur le site web, créer un clan qui soit validé par. Ah, c'est par, très chiant. Ah ouais. Ouais, ah, c'est genre, c'est pas en deux secondes quoi. Ah, c'est très chiant. Alors, donc juste un truc, je précise pour les gens qui viennent d'arriver sur les lives et tout. On dira pas chacun les donations et tout parce qu'on est plusieurs à live en même temps. Ouais. Donc on va pas dire les donations et les abonnements sur ces lives, veuillez nous excuser. Et voilà, on le dira entre nos games quand chacun fera ses petites pauses. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour jouer ensemble? Dites-nous les experts parce que vous êtes quand même les experts. Oui. Les deux là. Les oui, deux. Ah, j'espère. Digital Lines et Aika, vous êtes les experts de World of Tanks. Vous allez tout casser, vous allez nous carry, ça va être formidable. On est là pour tuer deux chars à la PHW. On se retrouvera là-bas. Et voilà. Et donc comment on fait pour jouer ensemble? Vous avez une idée? On peut faire une salle d'entraînement et jouer avec des viewers qu'on rajoutera en ami. Énorme. Ça, je pense qu'il y a moyen. Comme ça, ça c'est bien ça je pense. On les défonce cool. Et ça fait genre on est fort, vas-y. On va faire un 55, on est chaud pour 55. Qui est player 1, qui est player 2, qui est player 3 juste? Alors moi je suis player 1. Ok, okay player 1 c'est player 1. Oui, moi je suis 2, Aika c'est 2, ouais. Aika c'est 2. C'est le 3. D'accord. Ok d'accord. Alors comment on fait? Est-ce que donc Digital Lines tu veux nous inviter tous? D'accord, énorme. Excuse-moi. Infamous, tu peux le faire, ouais. Eh ben écoutez, allez-y les gars, lancez-vous, chauffez-vous, envoyez-nous les invites et voilà. Alors, il faut préciser que là aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu le stream d'avant, on a tous des comptes presse, donc il y a c'est tout ça. Qui est débloqué. Et vous voyez ici la monnaie en haut qui est à profusion. On a énormément d'argent dans le jeu. Et d'ailleurs, ils nous ont pas remis à 100 millions. Je suis déçu. Ah, ils nous ont pas remis. C'est un peu déçu. Ah oui, voilà, on a des invitations qui pop à droite. Vous envoyez les invites là. Excellent, t'es le meilleur. Alors juste d'ailleurs les experts de World of Tanks là, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut renommer son compte? Parce qu'on se disait que peut-être vous pourriez vous appeler genre en fait on voulait vous humaniser. On voulait vous humaniser, voilà. Mais est-ce que c'est possible? On ou voulait pas, vous humaniser mais est-ce que dans le jeu on peut acheter des renames ou pas? Ouais c'est sur le site mais ça va être comme le clan, ça va être chiant à faire. Ah donc, ok bon c'est pas grave. Enfin c'est... Faudrait voir, je veux dire on ira voir. On pourra le faire avant la PGW histoire de sur pour la PGW scène, ça est... serait cool quoi. Ouais on ira voir. Non mais on va le faire, c'est cool. Bon. C'est cool qu'on ait l'info, comme ça au moins ça fait plaisir. Alors donc là on est dans la salle d'entraînement mais en fait on a déjà choisi nos chars normalement, c'est ça? C'est ça exact. En fait là, tu peux faire retour dans le garage, tu cliques sur le bouton garage en haut de ton écran et tu peux choisir n'importe quel char et t'appuieras sur battle pour revenir dans la salle d'entraînement. Ok. Mais on fait quoi hein. Parce que nous en fait dernière fois, je sais pas si vous aviez suivi, je pense pas nos lives ou quoi. En fait avec Zara on aimait bien les petits chars rapides. Et voilà, nous en fait on a fait plusieurs trucs. En fait soit on prenait les IS-7, donc tier 10, vous connaissez, classique, hein, je vous en parle pas. Soit on partait sur des chars, alors je sais plus comment ils s'appelaient, le ECL je crois, français, c'est un tier 1 il me semble. Un rapide, il me semble que c'était ça, Domingo, arrête-moi c'était, si je me trompe. C'était le ELC, c'était le ELC en tier 5 je vous rappelle. ELC en tier 5, voilà. AMX, ELC bis, exactement. Ouais mais du coup je sais pas si on... Enfin Digi et moi t'as envie de parler là de... Je relance le jeu, ça bug. Oui. On était chaud pour faire des entraînements un peu dans les modes auxquels on jouera sur la. Eh ben y a pas scène. De soucis. Nous on est au courant de rien de toute façon. Donc c'est vous qui nous guidez. L'idée vous c'est que c'est vous les mentors. Donc vous allez nous dire prends ce char là. Vous nous dites ça ce qu'il faut et alors vous si vous aimez les chars rapides en tier 10, il y a le bas de Châtillon qui est très bien.
Quelle nation? France. France. Évidemment. Alors vous allez prendre les niveaux 10, on va là je pense qu'on va faire que du tier 10 avec le niveau maximum. Ouais, c'est plus intéressant. OK, donc le patch Châtillon 25T, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Excellent. C'est bien. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, au niveau des améliorations, la place d'équipement, je sais pas si t'as vu Juice ça, tu as vu ou pas qu'on pouvait améliorer chaque char? Oui, après, ça, moi je joue que les Allemands de toute façon et je vais être un char lourd, mec. Ok. Lourd, voilà. Ça m'étonne de toi, tiens. Voilà, je vais me poser sur le terrain, je vais être lourd. Donc, au niveau des places d'équipement, les 3 boosts, qu'est-ce que vous conseillez pour des chars rapides? Vaut mieux de la vitesse de visée, de la... qu'est-ce qu'il faut? Digi, puisque ça a 7000 batailles sur le batchat, tu vas faire. Bon, déjà, dans un premier temps, il faut aller 7000. Dans la rubrique maintenance. Ah, maintenance, alors allons-y. Déjà, Domingo, t'écoutes en même temps, hein. Tu fais. Ouais, j'écoute, mais j'étais en train de reboot parce que mes jeux buguent un peu via Xbox. Ah, bah attends, il faut qu'on attende que Domingo soit prêt parce que. Alors, au niveau de la compo, c'est bien de prendre des batchats, mais en char rapide, il y a aussi les chars russes. Il y a le 140 qui est très bien. Je trouve que c'est un super char. Ok. Qui est un peu plus blindé. En fait, le Batchatillon, c'est un char qui quand même demande beaucoup d'exigences, entre guillemets, parce qu'il a pas de blindage. Ah. Par contre, il a une puissance de feu très conséquente. Alors, ça sera peut-être pour Domingo, je pense. Pourquoi? Parce que tu m'as l'air beaucoup, beaucoup meilleur que moi. Moi, il faut que je puisse encaisser un coup, mais derrière, j'assure, tu vois. Alors toi, bah, c'est vrai que c'est toi en termes de all-in, j'ai vu une vidéo sur ta chaîne YouTube, tu m'as l'air d'être plutôt à l'aise avec ça. Ouais, je suis vivace. Écoute, donc on va faire ça, le bat Châtillon 25T sera pour Domingo. Et moi, donc en URSS, tu conseillais quoi? Le 140, l'objet 140. Alors l'objet 140. Mais bat Châtillon, c'est français, non? Exactement. Oui, c'est français. Moi qui est prêt, là. En oui, il y a toi qui est prêt. Ouais. C'est ma le nom exact, c'est Batignol Châtillon en fait. Object 140, excellent. Oh, il a une bonne tête. On dirait des trucs avec lesquels je jouais quand j'étais petit. C'est formidable. Ok. Alors maintenant, Domingo, t'es là? Ouais, t'es dans le jeu là, c'est bon? Je cherche Châtillon. Châtillon. Ça s'appelle Bat Châtillon 25T. Ah, 25T, ok, d'accord. Un nom de vin. Ok, alors dans maintenance, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans maintenance, pour le Bat Châtillon, il faut mettre 105 mm APCR. Donc les obus noirs. Il faut mettre en 25. Attends. De base, vous avez joué qu'avec les obus de couleur noire. Là, je suis en 150 mm. On joue qu'avec les obus de couleur noire. Okay. Ouais, enfin, on peut mettre 5 pour le bas châtillon. Les 5 derniers obus, tu peux les mettre en gold. Tu vois, donc c'est en gold, c'est juste en dessous les 105 hits, type OCC. Ok. Oh, attends, donc ouais, ça fait 25-5. Domingo, mais pas l'extincteur. panique pas. Qu'il en feu. Je panique pas, Domingo, ça va bien se passer. L'extincteur. Attends, parce que moi, je suis. Ça tue le micro de Juice. Oui, c'est terrible. Mais c'est pas ce qui est plus trop près de ta bouche, Juice? Non, ok. Le mot Juice, il a encore bouffé son micro. Oh, c'est bon, c'est le troisième cette semaine. Le micro, s'il te plaît. C'est le troisième cette semaine. Les mains. Hein. Alors, ça roule. Qu'est-ce que je fais pour mes obus à moi, les amis? Attends, parce que moi, en fait, je peux pas changer, juste, excuse-moi, j'ai pas compris, parce que je suis en 105. Type OFL. Il faut que tu baisses tous les curseurs. Tu baisses le curseur orange, tu baisses le curseur jaune, et du coup tu vas pouvoir remettre le curseur à fond des obus noirs. Le nombre d'obus est commun. Ah, c'est le nombre d'obus que tu disais, 25? Mais oui. Je pensais que c'était le type. Oh là là, je suis désolé. Oh le newbie quoi, ça se voit que t'as jamais joué. Et je mets donc 5 jaunes et 25 noirs. C'est ça. Parfait, ok, super. Ensuite, est-ce que dans les consommables, vous avez bien l'instincteur automatique, grande trousse de premier secours et grand kit de réparation? Calme-toi. Oui, on a ça. On a ça. Parfait. Donc vous pouvez fermer cette fenêtre. Et moi, pareil, je prends 25 noirs. Non? Toi, tu dois avoir un peu plus de buts. Moi, j'ai fait 45-5. C'est bon? Ouais, mais après, bien. Pour être honnête, allez. Vu les games qu'on a fait, on tire rarement plus de 10 fois. Ouais, mais là, tu sais pas, parce que là, c'est l'équipe. C'est vrai. Là, il y aura peut-être Domingo, tir de sommation, flanc ouest. Et hop, tu tireras, tu vois. Alors ensuite, c'est un petit truc à la con, mais ça peut quand même servir, ça peut vous sauver la vie. Dans apparence, maintenant, juste à côté de maintenance, là, vous choisissez les camos. Donc ça, c'est bien de choisir les camos, hivernal, estival, désertique. Après, vous pouvez fermer la fenêtre, c'est bon. Hivernal. Alors, camo. Mais alors, en fait, on met des camouflages random, mais on en met, c'est ça que tu voulais dire? Non, oui, vous choisissez le camouflage qui vous plaît, parce que vous avez plusieurs choix. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer, enfin accepter. Moi je le fais. Comme ça, vous avez des camouflages. Le camouflage, ça vous apporte 5%. Regardez ce suceur de Zerator avec le prof. Genre, moi je le faisais à chaque fois. moi je le faisais déjà. Donc vas-y, ça nous apporte quoi? Ça vous apporte 5% de camouflage en plus. 5%, ça peut faire que vous vous êtes pas détecté quand vous tirez, ça peut vous sauver la vie. C'est pour ça que j'étais meilleur. J'avais bien. Voilà. À un moment, t'as mis un shot, je me disais, toi. Ah ouais, tu te disais, et là, t'as le camo, c'est pas possible. Toi, t'as eu les 5%, j'y crois pas. Ah oui, évidemment. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous avez en dessous de l'onglet maintenance et apparence, vous avez des cases qui sont normalement vides. Les places d'équipement. Donc, ça, c'est les places d'équipement. Donc, je vais vous demander de mettre des équipements. Donc, vous mettez un système de visée amélioré. D'accord, donc le deuxième. Voilà, après, vous mettez en deuxième un stabilisateur vertical MK1. Calme-toi. Attends, trop vite. Stabilisateur vertical MK1, donc le 3.
Mais c'est ce qu'on faisait déjà dans Mico, mais tu sais qu'on est des boss, moi, hein ça. Mais calme-toi, t'as... toi, là. Mais moi, j'ai tout fait shot. Est-ce qu'on dit de faire le malin, je me lève. C'est quoi le tout premier? Vas-y. Alors les deux premiers c'est stabilisateur, système de vis amélioré. Ah système, ouais, le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Et stabilisateur MK1. Et ouais, après ça, pris, okay. En troisième vous prenez ah. optique traitée. Ça va Juice. Et en troisième quoi? Optique traitée. Optique traitée. Ah mais c'est ce qu'on faisait hein. On est grave intelligent. Alors pour vous expliquer à quoi ça sert, un système de vis amélioré, ça augmente de 10% la vitesse de resserrage du réticule. Alors le réticule, c'est le viseur. Vous êtes, voilà, c'est le viseur. Et en fait, plus le réticule est serré, plus l'obus va être précis. Ah ok. Ça on sait. Oui, c'est comme des FPS quoi. Enfin genre. Oui. C'est ça. Après dans le stabilisateur vertical MK1, ça permet de pouvoir tirer en roulant. Donc ça stabilise un peu mieux le canon. Donc du coup vous êtes moins sensible au décor. Quoi. Enfin le fait que ça bouge dans le décor. Okay. Et même quand vous tirez. Du coup, ça augmente. C'est une bonne synergie avec le système de vis amélioré. Quand vous tirez, ça fait reculer un peu moins le réticule. Excellent. Et le système d'optique traitée, ça permet de spot 10% plus efficacement les chars ennemis. Donc c'est, okay. c'est utile quand on joue des meds. Par contre, dans la compo qu'on va faire, il va falloir qu'on prenne des lourds. Là, pour l'instant, on a 3 meds. Des médium. Alors, c'est des médiums, ouais, tout à fait. Okay. Là, on a 3 médiums. Donc là, moi, je joue en bas de chat. Domingo joue en bas de chat. Toi, Zerator, tu vas jouer en 140. Voilà, exactement. Maintenant il va nous falloir au moins 2 lourds dans notre composition. Bah, moi donc, j'ai pris un IS-7, hein, tu sais quoi. Ouais, et on est tous les deux des bas de chat là. Ah, non, putain, moi, grave non. Moi je suis 140, pas... mais c'est la même chose mais en russe. Alors, je parlais à notre pote. Ah, excuse-moi. c'est pas un... Oui, on est tous les deux en bas de chat, ouais, pardon. Tout à fait. Putain, on va se faire des il va y avoir un duel, hein. Il va y avoir un duel, on va voir qui est le meilleur bas de chat. Ça va être très drôle. Le truc c'est quand je mets le fast canon combo, je peux te dire que ça va vite quoi. Ils peuvent rien faire. Juice, tu joues en quoi toi? Moi je joue en Panzer Tigre. Très bon choix, très très, très fort. Côté allemand, du coup, en char lourd. Avec une augmentation des obus centraux. Avec, tu veux pas jouer en IS-7 parce qu'il paraît que c'est fort. Hein ouais, IS-7 c'est bien. Deux IS-7 avec 3 mètres c'est pas mal. Ouais, mais le sang, il est chaud le sang aussi. Ou le sang, ouais, mais il est un peu plus lent donc peut-être prendre deux chars pareil. C'est pas grave, je pousserai. Ok. il va le pousser. Énorme strat, lourd. Ça, les gars. Alors pour le lourd, tu peux Infamous, tu peux drive les compositions de d'objets et tout ça. Le 100, mais t'as déjà fait ta compo du 100 ou pas? C'est formidable. Juice. Oui. Allô, on te parle. Oui, je suis là. Tu l'avais pas fait hier la compo du 100 déjà? Oui, j'en l'avais déjà fait hier. Ouais, parce que Juice a déjà traîné hier en fait. Oui, c'est ça qu'on vous dit pas. On était chaud hier. Ah, tu peux écrire ton nom de région sur ton char. Ah, c'est vraiment beauf quoi. Limousin. Non, en fait, c'est des autocollants, mais que si t'es français. Et en fait, si t'as russe, t'as que des emblèmes russes, etc. Oui. Oh, je vais mettre Bourgogne moi parce que. Bourgogne. On part sur un Bourgogne. Petit frérot d'Auxerre. Maintenant, là, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur Battle en haut. Et il nous faut 5 personnes en face donc. Alors moi c'est combattre, hein. Personnellement j'ai le jeu en français. Ouais mais j'ai mis le jeu en anglais. Désolé. Tu vois, donc... Alors Domingo n'est pas prêt et Player 3. Alors bon, moi 1, 2 et 3 ça quelques terrible, inscriptions hein. De mon côté. Est-ce que au fait Get Clicked c'est un vrai truc ou pas? Parce que moi on m'a dit que c'était un faux truc. Alors Get Clicked on sait pas. Est-ce que ça vous dit un truc Get Clicked ou pas Ika et Gitaline? Ah, pas du tout. C'est vrai, okay, la dernière fois je vous explique. La dernière fois on jouait avec Domingo et il s'est passé quoi? Un mec nous a dit ça, c'est ça? Ah oui, si, ça veut dire que c'est un clicker. Ça veut dire que t'as pas de skill et tu tires n'importe où, ça perd, ça pénètre. Ah, c'est d'artillerie. Parce que vous tirez en gold, sûrement, vous tirez en gold, donc du coup les mecs ils vous traitent de clicker parce que c'est comme les artilleries, voilà. Okay. Vous avez aucun skill, vous tirez au pif et ça rentre. Bah ils avaient vu juste, j'ai envie de dire. A chaque fois que je faisais un kill, je disais get clicked. Alors qu'en fait ça veut dire que je suis une grosse merde, quoi, tu vois. Ok. Non mais ils avaient vu juste, c'est bien. Moi je trouve ça bien. Du coup, là, il nous faut 5 personnes maintenant. Eh ben, écoute. Donc, du coup, il faut rajouter des gens en amis. Ah ouais? Ah, c'est ouais, très chiant. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, du coup, donne le channel. Enfin, crée un nouveau channel. Alors, on va créer un nouveau channel pour que vous puissiez venir jouer avec nous. Ça va être énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un channel qui va s'appeler What, donc W-O-T. C'est ici si vous voulez rejoindre. Stream. Là. Voilà, What Stream. Donc, W-O-T Stream, venez dans ce channel et viens déjouer avec nous. N'hésitez pas. Par contre, il faut qu'ils aient des tiers 10. Faut qu'ils aient que des tiers 10. Il faut du tiers 10, hein, les gars. Ah ouais? Ah, ça doit réduire, je pense, le nombre de. Ah oui, là, ça doit être dur. Je pense qu'il y a des joueurs quand même. Oh, non, mais Bobby, en vrai, Bobby y a pas mal avait de 5 gars, ils étaient 700. Ah oui. Non, venez sur WOT Stream. Donc, What Stream.
Alors, je vais dire qui a du T10. Sauf si vous n'avez pas de tier 10, ça sert à rien de nous dire j'ai du tier 10, on perdra juste du temps. Oui, ça va être chiant. Et vous ne pourrez pas jouer avec nous. C'est sûr qu'il y en a, ils vont tenter. Alors, donc les gars, vous piochez, vous venez sur le channel aussi, les gars? Ou c'est moi qui les invite, c'est ça? Ouais, je sais pas, je te sentais très chaud là de base, du coup. Je sais pas, les gars, moi j'en sais rien. Moi j'ai montré comment rejoindre, mais ensuite j'ai pas rejoint donc. Alors, tous ceux qui me disent est-ce que T7 c'est bon et tout, donc non, toujours pas. C'est tier 10, hein, du coup. Voilà. Mais T6, peut-être que ça peut marcher. Mais peut-être que T6. Non, mais en fait, il faut que ce soit le leader de la salle qui vienne dans le chan et qui invite, je pense. C'est ça. Ok. T'as dit la salle, elle s'appelle comment? Moi, je suis pas leader. Merde. C'est What Stream. C'est What Stream. W-O-T Stream. Vous rejoignez. Il y a des gens. Alors, en tier 10, on a Muchachos. On a Docteur Novels Real. On a Maxime5986. On a Desiler, ouais, on a des gens en tier 10 quand même. Hein. Il y a toujours des mecs qui forcent. Tier 9, j'ai. Par contre, tier 7, c'est nickel, les gars. Si vous voulez partir en tier 7, il n'y a pas de souce. Pour la prochaine. Putain, j'ai jeté tout le monde en ami, c'est trop chiant. Ah ouais, non, ça a l'air cool. Bon, Domingo, juste pour te briefer un petit peu sur le batchat très rapidement. Oui, oh là, le batchat, attention. C'est un char qui tire avec un barillet. C'est-à-dire que tu as 5 obus dans le canon, tu tires très vite, donc tu as un DPS super rapide, mais par contre tu as un temps de rechargement super long. Donc une fois que tu as vidé ton barillet, il faut que tu anticipes un peu, il faut que tu puisses te casser. Mais comment ça, tu tirais plusieurs fois d'affilée? En fait, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite tu reviens. C'est ça, c'est que tu peux changer à chaque fois. Non, tu tires d'affilée, tu vides ton barillet, en fait tu fais pam 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 pam, et après tu te casses, tu te caches pour le rechargement qui est long de 50 secondes. Mais nous on n'a pas eu ça à chaque fois, parce qu'on n'a pas pris de chargement. Parce que voilà, sauf que Zerator lui il a un char qui n'a pas de barillet, mais on est les deux seuls barillets de la team, donc ça veut dire en grosso modo notre job. Oh, c'est les bombardiers. Écoute là. Il faut être patient au départ. Faut être un peu patient au départ. Et dès qu'ils sont en ouverture, flanquer, il faut voir où sont les ennemis, après on flanque intelligemment, on sort un char et après on back. Ce qui va se passer, c'est que fou, je vais suivre tes calls et un moment, Digitaline, si j'ai un call, j'aimerais que tu me suives, ok? Genre, je te suis, mais si j'ai une ouverture, fais-moi confiance et on bourrine, on rentre, ça et marche. Je peux dire qu'on va vider des barrières, quoi. Tu ça vois, marche, ça non, marche. Non, mais que dalle, Domingo, t'écoutes ce qu'on te dit, c'est voilà. C'est fou, quoi. Non, mais putain, t'es vraiment un strateur de fou, en fait. Ouais, non, mais Domingo, t'écoutes ce qu'on te dit et tu fais pas chier, putain. Non, mais bon, écoute, ils prennent que du charlot en face, hein, donc c'est déjà c'est sport. Par contre, il y a un mec qui est tier 5, ça va être. Ouais, il faut sortir. Non, mais c'est bien, comme ça on peut leur tourner autour et tout, non? Ouais, mais bon, le problème c'est qu'il y a un mec qui a douillé, mais Alpha, la map le permet pas vraiment. Alpha, il a tenté de braid. Il s'est dit le V, c'est comme le X, ça se trouve, j'ai Il s'est dit peut-être que si jamais V, X, si jamais les mecs voient pas. Oh putain, faut que je prenne tout le monde. Ah, ça va être trop bien. On va faire des percées dans la défense là. C'est dommage qu'on puisse pas matchmaking à 5 quand même. Ouais, bah ça serait un peu d'esquivré après. C'est combien la limite? C'est 2? Non, pas si tu tombes que sur des mecs qui sont en matchmaking aussi, tu vois. Ouais, c'est 3 ou à la limite, apparemment. Ok. Ah, c'est 50 secondes le rechargement? Et ouais, c'est masse. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu vides tes barillets et après tu te caches. Mais en fait, nous on avait un vrai problème avec Zera la semaine dernière. Invité à rejoindre la salle d'entraînement. C'est moi qui renvoie des invités à tout le monde. T'inquiète, c'est bon. Ah, c'est okay. Mais ah, ça y est, on a des bon, sailors. Voilà, c'est bon. Ça y est, ouais. On est bon. Et qui est spectateur? Qui est spectateur? Un petit brief sur la compo d'en face. Ils ont une compo qui est extrêmement blindée, justement avec le T110E3 qui est extrêmement blindé. Okay. Et derrière, et le FV215B. Il faut surtout pas leur rentrer dedans. Okay. Il va falloir faire un jeu où est-ce qu'on se pose les choses, on attend un petit peu et derrière on fait des actions parce que là ils sont extrêmement. Okay. Ils ont beaucoup plus de blindage et de PV que nous. Donc il va falloir jouer intelligemment. Il y en a un qui a quitté. Ouais. Pas se jeter dans la bataille. Ok. Ah ouais? Ça marche. Tu as Tigre 655 si tu veux, qui a des tiers 10. Ah. Et je disais, ouais, en fait, nous, notre problème avec Zera, c'est que souvent, tu sais, genre, en gros, on était dans une petite montée ou quoi, et en fait, on n'arrivait pas, tu sais, comme c'est un canon tout droit, on n'arrivait pas à baisser le canon, tu vois, et en gros, il était juste en dessous de nous, le mec, et tu sais, du coup, juste au-dessus. Oui, c'est souvent arrivé ça. C'était très très frustrant, du coup, parce que tu lui tournes autour, le mec a 2 HP, t'en as 500, et tu ne peux rien faire. Du coup, est-ce qu'il y a une technique pour parer à ça ou juste le maniement du char? Bah, tu descends du char. Il faut jouer avec le terrain, mais effectivement, il y a la dépression du canon qui est limitée. Donc, par exemple, Zerator, le 140 que tu as, il a une dépression très faible. Nous aussi, avec le Batchat, on n'a pas une super dépression, mais là, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, c'est une map de ville. Donc, la dépression ne joue pas vraiment en fait. Ok. Ok. Ça roule. Moi, ça me va. Est-ce qu'après, peut-être, on pourrait pas se faire après une game genre en tier 5, comme ça il y a plus de viewers et nous on voit un autre type de gameplay? Ouais, ça, oui, bien sûr, on peut faire ça. On fera ça à la game d'après. Donc là, on fait tier 10, on va alterner tier 10, tier 5. Et ben c'est parti, on y va, non? Allez, ouais. Bah, et du coup, ça fait combien de temps que vous jouez? Vous avez fait combien de games pour les viewers pour qu'ils comprennent?
Alors moi ça fait 3 ans, presque 4 ans que je joue. Donc écoutez bien les gens, ça, cette voix c'est Digitali. Voilà. C'est comme ça que ça se prononce ton pseudo histoire que... Digi, tu peux dire Digi. Digi, dire... Okay, Digi. Pour les intimes. Ok. Bon par contre là il faut se briefer. Par contre on a plus le temps, on s'en bat les couilles des questions. Non c'est ma faute. Non j'avoue j'ai déconné, j'étais pas dedans. Mais nous on joue depuis combien de temps? Attends ta gueule, donc ce qu'on va faire c'est que... T'as vas-y, vas-y, brief nous. Tu t'es fait get click quoi? Infamous, tu. Avec qui? Tu pars avec Gus. Avec A, pardon. Tu prends la rue quoi. Par contre, tu l'appelles Gus, rappelle-toi que tu vas le croiser IRL. Rappelle-toi que tu vas le croiser IRL, donc essaye de jouer. Nous pour l'instant. Parce que tu vois le temps qu'il y a pour l'instant, vous me suivez les mecs, suivez-moi. Je suis le même dans la vraie vie. Suivez-moi les mecs, suivez-le! Putain, il est trop chaud mec. Non, ça va pas le faire. Tu sais que nous on est un peu lent du cul hein. C'est player 3? Ouais, c'est celui qui fait affirmatif là. Digi, c'est player 3. Ah, je vous cache pas que je dois juste changer le son, mais c'est pas grave. On garde la gueule. Je sens que c'est pas le moment. Ah, la France est coupée en deux apparemment. Player 2 et player 1 sont partis de l'autre côté. Ah, mais oui, parce que tu lis, il est rapide. Ok. Mais oui, nous on est strat. Ne dis rien. J'ai raté ta putain de gueule, on est en raid. On part en 2-8. Zera, zigzag pas, tu perds du temps, tu me casses les couilles. J'essaie, tu me rattrapes, putain. On lui est char léger là. Non, mais oh. Oh, get clicked. Attends, oh, je tombe. Attends, monsieur, il m'embête derrière. Attends-nous. Non, mais je suis bloqué. Je vous attends. Tu m'as bloqué, gros con. Mais dans vos culs, réavance. Dans les mecs. Demi-tour. Je suis en demi-tour. Barrez-vous. Tu veux pas que je reste là et je te cover au cas où ils arrivent? Non, non, casse-toi. Ok, je me casse. Ok, je me suis déjà cassé. J'ai prévu le coup, je suis déjà parti, les mecs. Oh, j'ai bien anticipé le move. Tourne direct à gauche, tourne, tiens. On tourne? Vas-y, on bourre. Attendez-moi! Putain, mais comment, y'a un boost? Comment tu fais pour aller aussi vite? Bah oui, là c'est majuscule pour sprinter. Non, y'a un sprint ou pas? Parce que j'ai dans une descente déjà. Ah, ok. Oh mon dieu, au secours! Vous avez eu des bijoux. Ah, ça y est, bon, les gros, vous temporisez. Ok, suivez-moi, les mecs. Attendez-moi! Je vous entends pas, c'est la guerre, hein, dans mon Attendez-moi! Ouais. Oh, je suis repéré! Attends. Ça veut dire quoi qu'on a une ampoule sur la tête? Retourne-toi, dans notre dos. Ouais, j'arrive. Attends, mec. L'ampoule, c'est repéré. Donc là, on vise tout droit? Ouais, tout droit là. Ok. Touché! Boum! Devant! Oh, je l'ai eu! Ah, j'ai pas pénétré! Ça m'arrive tout le temps. Deux flancs gauche. Vas-y, on le rush tout de suite. On le rush, Domico! On le rush tout de suite. J'arrive, j'attends juste l'ouverture de la fenêtre. Domingo! Je sais pas dans quel sens c'est mon tank, je marche arrière. Domingo, go! Mais c'est pas dans quel sens, c'est son tank! Juste, c'est des missions explosives pour tirer sur celui qui. J'ai touché, je suis en marche arrière. Putain, mais c'est dans quel sens un tank? Rechargement, faut sortir là. Boum! 10%! Domingo, c'est à toi! Prends celui-là à droite. Je suis en marche arrière! Oh putain! Domingo, t'es où? Je suis en marche arrière, gros. Boum! Recule-toi, Zerator, recule-toi! Ah, c'est la fin! J'attends. Ah non, je suis mobilisé! Non, Domingo, non, Domingo, barre-toi, il est mort. C'est bon, je suis pas mort, les gars! Je l'ai touché! Je suis pas mort! Je l'ai massacré même! Touché, c'était un. Comment ça, laisse tomber, il est mort! Attends, je vais te rattraper, toi, tu vas voir! Demi-tour, messieurs. Eh, par contre, Digi, j'ai trouvé vraiment pas teamplay là, parce que Zera n'était pas mort. Non, mais je croyais être mort, en fait, j'ai réparé, c'était bon. Et vous voulez pas du tout déplacer, on prend 3 tirs. On en a eu un! GG, essayez de les contourner là. Place principale. Domingo, fais gaffe. Mais tu vas trop vite, Digi. Digi, est-ce qu'on te suit? Oui, vous me suivez, ouais. Bah, tu sais que là, on te suit pas trop donc. Attends, oh mec, je fais un drift. Non, prends pas par le parc, t'es fou. Si, le parc, c'est le raccourci. Oui, Juice est aussi en live, exact. Y'a 3 lives là. Y'a 3 lives, ouais. Juice, Domingo, Zerator. Mais cette map est trop belle, moi j'aime trop les maps. Non mais attends, j'ai un qui rush. Allez, faut se dépêcher, les mecs. Par contre, est-ce qu'on peut recharger ou pas? Parce que j'ai que 2 de dépêcher. Ouais, tu fais C pour charger. Bah, logique, c'est comme recharger, mec. Oui, je suis là. Fais gaffe derrière toi, Domingo là. Ouais, je m'en bats les couilles. Je peux te dire que je lui ai mis un coup à lui, il reviendra pas de sitôt. Hop là, ça se l'homme. Putain, j'ai trop aimé, mec. Genre, t'es tombé en combat. Non, je me suis décalé, je suis sorti de mon tank, j'ai sorti le pistolet, j'ai fait NON. Est-ce que tu peux reset? Fais gaffe, Domingo, fais gaffe. Ah, ça nous fonce dessus. Ah, bah bonne chance. Ça prend tes responsabilités aussi, Juice. Mais là, je sais pas si je vais pouvoir monter, moi. Je te cache pas que c'est chaud. Ah, pousse-moi, Domingo. Est-ce qu'il y a moyen de reset, s'il vous plaît, là? Et Famous, tu peux reset ou pas? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Infamous, je crois que c'est son nom de team quand même. Enfin, mais ouais, c'est mon équipe, mec. Excuse-moi. Mec, s'il te plaît, un peu de respect. Non, parce que j'ai senti que ça fait 2-3 fois qu'Aikan ne veut rien dire. Mais. Faut reset. Je suis un gentil, moi. Faut reset. Voilà, bien joué. Ah, quelle lenteur infâme! Pendant ce temps-là, t'as
t'as Digi qui est devant, qui est déjà en train de tirer, tu sais. Nous on est là, hey, t'as vu la map, Domingo, c'est incroyable. Mais regarde à gauche, il y a une église. Putain, c'est énorme, mec, regarde. Hop, le mur, bam. Oh. Ah, je crois que tu m'avais mis des dégâts. Parce que sur mon back chat, parce que le back chat il bourrine mais il a pas trop de vie, donc attention. Digi, attends-nous hein. Par contre les alarmes et tout ça fait vraiment 22 bien. 22 ah, oui. Vous tracez tout droit les mecs. Oh je bombarde. Digi, attends-nous. Attendez-nous. Passez tout droit. Passez tout droit. Non mais là c'est bon, on est en descente. Tenez bon, Juice. Allez, on prend en dos là. Le 1300 PV là. Ah, je suis repéré. Je vais essayer de me mettre de côté pour prendre moins de dégâts. Oh, je vais là. Oh, je tente un truc qui n'a pas été dicté par mon général. Ah, on le rush? Oh là là. Ouais, on rush. Oh non, il a tenté. Oh, je suis mort. Je me suis fait OS. En plus. Je me suis fait OS. T'as vu Digi, il a pas respecté. Hein. Ah ouais, non mais my bad. J'ai touché. C'est ma faute. Allez Domingo. Domingo. Avec ton bad chat. Allez. Je recharge, mais c'est trop long. Ah ouais, le temps de rechargement est hyper long. Toi t'es mort. C'était pas fou la pause là. Tire en bas de caisse. Mais je fais que pas percer. Oh, c'est chiant. Tire en bas de caisse, Domingo. Excusez-moi. Alors par contre, j'aimerais jouer. Je sors. Et merde. Bon, on avait pas la bonne compo là, ils ont pris que des lourds, c'était pas très fair play. Non, mais on s'est fait éclater. Non, ouais, mais par contre, petite question, je fais que pas percer, ça fait quand même 50 tirs que je ne perce pas. Des petits conseils. Parce que là, ça me fait. Des petits conseils. En fait, quand t'es face à des lourds comme ça, il faut tirer en bas de caisse. Ça veut dire quoi? Sur les chenilles? Parce que sur le. Il faut imaginer que le char. Il a de l'armure sur à certains points de sa caisse, mais il a des faiblesses à certains autres points en fait. Yes. Donc du coup, okay. De base, tous les chars, quand tu leur tires normalement en bas de caisse, il y a moins d'armure. Si jamais tu le tires en plein front, normalement c'est là où il est le mieux blindé. Okay. Si jamais tu arrives à le prendre de dos et que tu le tires dans son moteur de derrière, ça pénètre beaucoup mieux. Ok, donc pas sur ces parties. Okay. Sinon la petite chorale soviétique à la fin, ouais, c'est obligatoire. Parce que enfin, juste hein, si on peut l'enlever. Ah, par contre, là je suis le seul à avoir fait un kill, ressaisissez-vous s'il vous plaît, merci. Par contre, juste, c'est la première. C'est la première. Je vois zéro de dégâts, est-ce qu'on pourrait... Soit voilà. Changer de teammate, soit faire un effort parce que. Ouais, bah, mais ce qu'on peut faire par contre, c'est changer de char. On peut passer en lourd. Si on reprend la même map, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Si on continue, on va peut-être faire. Moi j'aimais bien le bat chat, ça allait vite. Non, mais là, c'est sur cette map, c'est pas du tout fait. Enfin, c'est pas du tout. Ah, c'est nul. Bah ouais, tu vois. Ouais, en fait, les maps fermées, les maps de ville, tu les joues plutôt avec du full lourd plutôt que. Ok. Mais je prends de l'IS7 alors. Tu vois, en fait, à chaque tir, même si j'avais 5 obus dans le truc, ça faisait pas. Tu sais, ça faisait tir, recharge, tir, recharge. Ouais, mais c'est un rechargement très rapide quand même. Ok, d'accord, oui, non, parce que j'avais peur de pas cliquer sur le bon truc. Quoi. Et donc, c'est C pour recharger si jamais on veut. Ok. Si jamais ton barillet. Ok, ça avance. Et en tout cas, le positionnement est vraiment très important. Oui, parce que justement, en parlant de positionnement, est-ce qu'on pourrait parler de Zerator qui n'a pas suivi les conseils du coach? Ouais, et d'ailleurs, tu vois, j'ai été sanctionné immédiatement. Ouais, oui, sanction immédiate. Je fais un truc. Je dis les gars, je tente un truc. Bam, je suis mort direct. Bon, du coup, on quitte la salle. Non. Tu fais juste garage. Non, tu fais juste garage. Ah. Attendez, je suis pas prêt là, j'optimise, mais. Je cache pas que j'ai quitté la salle, je crois. Et merde. Non, mais réinvite-le, it's ok. Ouais, je te réinvite. Putain, c'est fait get clicked quoi. Donc, moi, je vais partir sur l'IS7, hein, si ça vous va. Donc, oui, prenez des trucs bien lourds là. Donc, stabilisateur vertical M2. Hop. Ah, je suis déçu quand même. J'ai un petit arrière-goût de pas fini là dans cette bouche. Ouais. Enfin, dans cette game plutôt. Est-ce que plus 5% à toutes les compétences de l'équipage, c'est vachement bien ou parce que c'est dans les plus chers? Je me suis dit. Bah, c'est pas mal. Ça va, ouais. Tu peux. Bah, moi, je le mets des fois. Ça sert à rien parce que tu es déjà tout full en fait. Comme t'as un compresse, déjà tout est débloqué en fait. Donc ça a pas d'utilité. Ok. Ah ouais, donc ils sont déjà au max leurs compétences. C'est ça. Si, ils te donnent plus 5% en reload et tout. Donc t'as quand même plus 5% c'est au max. Plus en plus. Donc oui, tu peux le. Comment je rejoins votre équipe? Je crois que j'ai pris la même chose, mais tant pis. Domingo, tu vas prendre un char américain. Toi, t'aimes bien quand même qu'il y ait du mouvement. T'as grave compris. Ah, c'est trop bien. Tu prends un char américain et c'est un char lourd, mais qui est quand même assez rapide. Tu vas prendre le. Je vais éternuer. Ouais, j'hésite entre deux là. Ouais, prends le M103. Moi, je vais changer aussi. Hein. C'est dans X, c'est dans 10. J'ai pris un Moss de mon côté. Non, tu vas prendre le T110 E5. Quand je cherche. Je vais prendre ça aussi. T110, alors j'ai le T110 E4, E3. T110 E5. Ah bah non. Il est où? Pourquoi l'autre côté ça va pas? Moi quand tu choisis Charles Lourd, c'est le dernier. Zera, je crois qu'il faudrait que me réinviter. C'est pas moi qui invite. Ah. C'est moi qui invite, oui je vous invite, ne t'inquiète pas. Attends. T110. Hein, je suis aveugle. C'est qui est sorti? C'est Juice. Player 2.
T110 E5. On a des player 1, pardon. Ouais, player 1, c'est moi perdu. Donc pareil, rapidement, tu le mets en maintenance. Par contre, là, tu peux faire moitié obus rouge, moitié obus jaune, tu vois. Ah, donc, pas zéro noir. Orange. Non, j'ai zéro pas noir, orange, quoi qu'il arrive. Zéro orange, ouais. Ah, mais moi, j'ai pas jaune, j'ai rouge et noir. Mais ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de ton char, ouais. Les gars, c'est normal que je puisse pas accepter l'invite, juste la refuser. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais t'es dedans, c'est bon, t'es là. Hein. Est-ce que ça change quelque chose de faire, par exemple... Est-ce qu'il faut faire... Tu mets un tir, boum, tu changes d'obus, tu remets un tir, ça va plus vite ou pas? Ou c'est la même merde? Non, parce que ça recharge quand même... C'est la même chose, mais en fait, là, tu peux... clairement, en fait, tu peux faire full obus gold. Rouge, ouais. Et quand t'as rien, pas rouge, pas rouge, jaune. En fait, les jaunes, c'est mieux même, c'est soit les jaunes, ouais. soit les noirs. D'accord. D'accord, donc c'est mieux jaune compris. Que... Non, mais en fait, c'est des obus premium, c'est des obus que tu payes normalement en gold, mais tu peux les acheter aussi, mais ils sont relativement chers dans l'argent du jeu. Et c'est des obus qui ont une pénétration plus forte que les obus standards. Ah ouais, parce que c'est bien pour moi ça. Je vais faire la péné, c'est cool, ouais. Moi, je suis prêt. Joe, concentre-toi et fais des dégâts, s'il te plaît. Oui, oui, c'est voilà. Sûr. Et même truc, stabilisateur vertical MK2 et tout. C'est ça, exactement la même chose. Par contre, là, tu peux prendre, pour un lourd, c'est peut-être plus intéressant de prendre, et surtout pour cette map, tu peux prendre ventilation classe 3 améliorée. Alors, ventilation... I'm ready. Ah, tout en haut. Ah bah non, c'est le truc d'augmentation d'équipage, du coup. Ouais, ouais, mais ça vaut le coup sur un lourd, justement, pour avoir des temps de rechargement un peu plus réduits. Ok, d'accord. Je t'écoute. Donc, du coup, j'ai pris système de visée amélioré. Ouais. Stabilisateur et ventilation. Ok, bah je suis prêt. On me demande c'est quoi vos win rate, on me dit. À qui? Digital et AK. C'est quoi vos win rate? Digital il a 2400, tu m'as dit tout à l'heure. Mon WN8, toi ouais, c'est 2400, ouais. Et moi je suis à 1900, moi. 1900 KK. C'est quoi, c'est du Hello? Ouais, c'est comme le pareil, ouais. Ça fonctionne pas. C'est bien ou vous êtes nul? Oui, on est nul, les gars. Donc, au niveau des couleurs, en fait, moi je suis bleu et les meilleurs sont violets. Après, c'est vert, après, orange, jaune. Ouais, j'en vois. Ah oui, donc ça va, t'es même dans le mais top. Mais du coup, quoi. Sans créer la Discord, on est d'accord que Digi est meilleur qu'Aika. On est d'accord. Sur les stats. Non, sur le papier, il a dit. Ouh. Sur le papier. Aika, Digi m'a pris en PM tout à l'heure pour me dire qu'il était meilleur. Après, mais je suis. Moi, sur Skype, a quand même hâte pour me dire par contre, l'autre a pas l'air ouf. Donc, bon, voilà. Ouais, après, je sais pas, je vais pas créer. Moi, j'ai pas pris de camouflage, je suis trop con. Ah, bah là, t'auras pas les 5%. C'est pas grave, t'en mettras pas. Ah, mais si on perd, on strat, qui s'avère. Bon, tu strates. Juste non plus, t'as pas pris de camouflage. Ouais, venez, on va faire ça. Aika, on strat, ouais. Ouais, t'as pas pris de camouflage. Les gars, s'il vous plaît, on va passer là. On monte. Et regarde. Suivez le T110 E3. Enfin, le player 2. Ah, donc. Ouais, je t'avoue qu'on était. Et pas très moi. Moi j'ai tout compris. Est-ce que c'est bien. Moi j'ai tout compris, monsieur. Est-ce que c'est bien les obus. Domingo, c'est bien les obus 2 qui sont en chargement chez toi? Maintenant oui. On prend le noir ou le rouge? Le noir, toujours. Noir, ok. Moi mon réticule est très serré là, donc c'est bien normalement. Ah oui, un truc. À côté des chapes, vous pouvez cliquer sur plus pour agrandir la mini. Casse-toi, Zéro. Casse-toi. Ah oui, plus à côté des chapes. Alors moi c'est de l'autre côté. À côté des chapes. Les gars, attendez-moi. À côté d'échappe, à côté de. Sur le pavé numérique. À côté de quoi numérique. Ah ouais. Pavé numérique. Conseil, mettez-la en grand parce que c'est important. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas du tout. Et quoi, pas mal. Je crois que t'as juste fait un effort, s'il te plaît. Parce mais que mec, là, après, il a le frein à main. Non, là, tu retardes la team là. Tu retardes la team. Mais je vais descendre et le pousser si ça continue, c'est n'importe quoi. T'as fumé tout sur le. Tout le monde a grandi la map. Ah là, on attend tout le monde là, on doit s'attendre. Putain, j'ai envie de tirer. À côté de retour. En attendant, comment on a grandi la map? Le plus à côté de retour, je sais plus comment on appelle cette touche. Non mais attends, moi je plus à côté de retour. Au-dessus d'entrée. Ah oui. Bah non, ah moi, oui, ça oui, pas, oui, moi. Oui, à côté d'effacer. Ah merde, et comment on réduit? Et car, attends, on n'est pas tous là. Ah. Le moss encore. Ouais, il, mais moi il j'avance un peu. J'avance un peu. Et comment on réduit? Avec le. À moins. Il faut mettre en gigantesque. Moi je la mets en énorme, mais vous êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. On peut aller jusqu'où? Ah oui, on peut aller jusqu'à. Ah oui, d'accord. Attends, je suis bloqué. Ah bah Domingo alors. Vous voyez mieux l'époque. Ah non, j'ai cru que j'allais être attrapé. Attention là, putain. Et attendez, ça vaut le coup de prendre passer, de la hauteur et d'essayer de viser d'en premier. Haut. Ça vaut le coup d'essayer de viser d'en haut ou pas? Ou c'est ouais, ça vaut le coup. Ouais. Je sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais faut, si tu te fais voir et que t'es le seul à te faire voir, tu vont. Mais là, y a des joueurs en face. Attends, c'est qui joue? Oui, oui. Mais non, on est seul. C'est une game pour moi. Parce que non, mais là, ce qui est chiant, c'est qu'on pourra pas viser en bas en fait. Vas-y, juste, va tout droit. Si, tu peux. Lui, on peut le défendre. Oh, t'as baisé. Super, mais ça se dreamhack, ils savent qu'on y va. Prépare leur char. Mais oui. Descendez au lieu de vous faire piner là. Là j'ai un angle. Oh nice. Bien joué. Eh les gars, vraiment, si vous voulez dans une team ou oh hello ou quoi, je suis à là parce que. Regardez, vous loupez tous vos shots vous. Par contre, Pedjuice, mais tu te mets devant moi, tu te dis pas qu'il y a un gars derrière toi là quand tu te mets là.
Bah, t'as qu'à être plus costaud et plus lourd. C'est vrai. Problème dans ma vie aussi, ça, d'ailleurs. Oh, j'ai pas pénétré. Essayez de tirer juste au-dessus de la chenille. Player 3 sur juste ta droite, au-dessus de la chenille. Non, mec, là, j'essaie pas de tirer au-dessus de la chenille, j'essaie de tirer sur le gars, quoi. Oui, j'essaie de... moi aussi, j'essaie de viser le qui temps. Qui l'a eu? J'ai derrière player 3. C'est moi. Ah, j'ai loupé, j'ai choc. Oh, mais il est nul. Ah, il est fait. Allez, vas-y, fais un assist par quelqu'un. Mais tu juices, mais. Je vais faire un conspire. Mais mec, derrière nous. On le rush direct. Merde, je pue la merde. Et franchement, le temps que je le rush, moi, il y aura la fin. Domingo, viens avec moi. Domingo, viens avec moi tout de suite. Je vais où? Avec moi. Regarde. Affirmatif. Affirmatif. 4 minutes. Moi, j'arrive, monsieur. Je crois que je suis encore à l'envers de mon temps. Non, c'est bon. Juice, on y va. Tu me suis? Tu veux pas me charrier? Vas-y, attrape la corde. Mais je suis relent de ouf. Et on arrive. Attends, Digi. Attends, c'est qui player 3? Je me rappelle c'est pas. Digi, c'est Digi. Digi, attends, te suicide pas. Oui, attends. Bonjour, attends, j'arrive. Bouge pas. Il a pas l'air de se suicider en fait. Il y a les batous, putain, les gars. Faut cap. Faut. Putain, j'ai trop envie de mettre des long shots. Je vais faire un jump. Je vais prendre la ligne ici, moi. Ouais, vas-y. Je vais prendre la ligne longue allée. Dans 5 secondes, secondes, t'es mort, 100%. Ouais, va gérer. Hein. Oh putain! Corniche 2. Deux cornes. Tempo. Tu fais une tempo là? Oui. Non, mais là, DJ il est en train de bronze chase là, ça va pas du tout. Ah, faut que je répare mon moteur. Ah, c'est pour ça que j'allais pas vite. Mon moteur. Bien vu, les gars, bien vu. DJ il bronze chase là, je sens que. Ouais, DJ il tilt là. Il est en train de tilter là, il s'est fait flame. Viens avec moi. Je suis en train d'arriver, mec. Ok. Oh, DJ la def quand même. DJ, j'arrive. Huile dans les chenilles là. Tu l'auras tué peut-être avant que j'arrive, mais j'arrive. Les amis, on en a un autre sur la droite là. En bas à droite, attention. Qui me voit? Vera, il était derrière. Ouais, je l'ai vu. DJ, tu t'en sors? Ça va, je pense que je vais l'avoir. Je pense qu'il est mort. Ah, oh, il est mort. Ah, non, il s'en sort. Ah merde. Un deuxième qui arrive derrière toi, Zera. Je sais, j'ai vu. Oh, par contre, c'est pour moi, les gars. J'y vais. Putain, si je pouvais le shot à travers les maisons là. On peut pas appeler des renforts aériens et tout. Non, pas là. Cardin qui arrive. Boum, raté. C'est la merde pour moi, les gars. Aïe. Je vais me faire massacrer, je crois. Je crois que je suis mort. Je suis mort dans très peu de temps, à mon avis. Ah, ils sont passés juste. Ah, oh, ils me rushent à 3. Ah, c'est la fin. Ah, c'est la fin. C'est tellement la fin. Allez, Domingo, on le sort, lui. Quoi? Je l'ai touché déjà. Je sais pas si t'as vu, chef. Retouche-le. La chenille HS. Adieu, mes frères. Ah, c'est ta ligne. Je sens que ça va être compliqué, ce soir. Faut que tu prennes le shot, Domingo. Faut que tu y ailles. Faut que tu t'es toujours pas touché. Elle a blagounet. Faut que tu ailles prendre le shot. Faut que tu prennes le shot, t'as plus de vie que moi. Attends, bah j'y vais, mais je te cache pas que je suis trompé de sens. Et Moss, je suis tellement blindé. Descends la colline, j'aurai besoin d'aide. Ouais. Il va t'arriver dessus. Je l'ai bourré. Il va t'arriver dessus. Oh, bien joué. On le bourre. Il peut pas me toucher. Ah, il va me toucher. Attends. Mets-toi face à lui. Domingo. Je me mets face à lui. Tu peux plus rien me faire, mon pote. Non, t'es pas face, t'es pas en face là, c'est sur le côté là. Tu mords. Tu mords. À côté de toi, Domingo. Ça a pas percé. Aïe. Tu l'as raté. Ah, je vais me faire bourrer. Je tente la technique de la salsa. Et je crois que je vais prendre une moto et une mitraillette. Bien joué, Domingo. Mais les gars, me tirez pas dessus, je vous ai mais Juice, il sert à quoi là? Mais mec, bah, je suis l'observateur, je suis la tourelle. Mais Juice, il sert à rien, regardez-le. Bah, moi je demande un changement sur Juice, je suis désolé. Ouais, faut changer jusque là. Il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Plus vite. Là, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais il y a un problème. Ah, j'ai fait mon kill, les gars. Allez, Juice, avance. Tu fais quoi? Mais ouais, Juice, faut va au drapeau, tu vois bien que notre pote capture. Mais je sais. Putain, 2v2, je crois. Oh la musique, faut oh la musique. Faut que tu leur coupes la route, Juice, en fait. Mais Dandy, il est bon? Dandy, oui, c'est une team française, francophone, qui est pas trop mauvaise, ouais. Super. Mais là, c'est bien des semi-pro, là. Et là, j'ai peut-être tué un semi-pro. Mais d'accord. Okay. Juste pour savoir, juste pour me situer. J'arrive. Oh, Juice, putain, mais quelle idée de prendre un truc comme ça aussi. Mais lourd. Tu sens que les mecs qui sont dans le tank, ils sont pas heureux, tu sais. Lourd. Oui, aide-le. J'arrive. C'est juste qu'il a pris en saucisson. Oh, ça a reset le flag, c'est horrible. Ah, à ta gauche, Juice. Oui, je sais, il est à gauche. Attends-le. Boum. Recule. Je me mets de côté comme ça. Non, tu me mets de côté. Bah non. Ça, il se frappe, c'est bien. C'est parfait là. T'es parfait. Tire en bas. Appuie sur 9, appuie sur 6. What? Ah, c'est la fin. What the fuck? En fait, là on est en attaque et le but c'est de capturer avant la fin du temps. Du coup, on a perdu. Ah, mais on ne savait même pas que je suis. Mon char était vraiment trop lourd. Fallait rusher les mecs, je vous ai
Oh, mais regardez mes dégâts, j'ai fait 1900. La barre des 2000 qui a failli être dépassée. Wow. Non, mais là on relance direct. Ah, oui. Attends, laisse-moi juste changer de tank, mec. On s'en fout, ils sont moins en fait, ces gars, ils sont moins. Ah, ils sont 4v5. S'en fout, on y va comme ça, on y va comme 4v5, on teste. Ouais. Du coup, on est en attaque. Faudrait pas qu'on reste collé. Les mecs, Aki et DJ, si vous voulez, je peux vous aider parce que je sens que les deux autres là ils trollent. Mais. Non, mais là on s'est dispersé, c'est peut-être pas bon, non? Bah ouais, mais en fait quand je dis il faut le sortir, il fallait juste foncer directement sur lui, pas essayer de prendre des chemins et tout ça. Mots, parce que nous on comprend rien. Ouais, bah, après du coup ça fait bronze chase parce qu'effectivement la team s'est écartée, mais il faut toujours rester groupé en fait. Moi j'ai essayé de te rejoindre, mais j'ai été acculé par deux chars sur le flanc ouest. On refait la même. J'ai essayé de prendre une ligne en fait. Ah merde. Et la ligne en fait elle a bugué parce que genre. Tu sais, genre j'étais pas juste à gauche là. Je sais plus où j'étais en fait. La lenteur. Mais mec, mais regarde la lenteur, il fallait me faire sur les tanks. Regarde ça. Feu. Si on veut pas que le canon bouge, fais clic droit, non, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ça bloque le canon. Ah, ça faut tout le temps le faire, non? Parce que faut sinon, focus sur un mec. Si jamais tu veux te retourner, ouais, effectivement, mais après. Enfin, pour avoir un petit vision. Ah non, c'est pas ça. Mais comment on fait pour verrouiller la cible? Les gens m'ont dit, faut que tu lock. Non, c'est clic droit, faut surtout pas faire ça. Ok, faut jamais le faire parce que du coup tu peux pas viser à l'endroit précis où tu veux tirer. Un bon conseil, exactement. Alors, voilà. C'est au milieu du non, mais c'est bien ce que je pensais. En fait, j'hésitais à dire aux viewers, mais ça, je me suis dit non, je vais dire une connerie. Après, le lock ça peut être utile quand t'es un char de flanking comme le Batchat et tu tournes autour de l'adversaire. Ah oui, et là, du coup, voilà, donc là du coup tu peux le lock. On se met à gauche là comme tout à l'heure ou pas? Non, c'est une connerie. Non, vous allez pas à gauche. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un truc simple. Ça va être un truc de connerie. Dans le truc numéro 2 et on va essayer de capturer. Mais oubliez pas qu'à la PGW on jouera des bouseux hein, parce que. Mais non mec, pas du tout hein. Bah LRB, non je rigole. Non mais tu sais, ouais non mais d'accord, mais genre chez Millennium, ils ont 3 pros hein. Ils ont 3 pros plus Oka et Bob qui sont très bien joués. Ouais, ils ont 3 de mes joueurs chez. Voilà. En gros ils ont 3 des joueurs de la team. Attendez, on est pas tous ensemble. Et t'es quelle team toi DJ? Moi je suis chez les UFS mais je suis assez inactif en ce moment. Ok d'accord. C'est une team qui a bien performé il y a 2 ans, mais maintenant qui fait des résultats un peu moins bons. Bon. D'accord. C'est pas ta méta quoi. Est-ce que vous prenez le tank que j'ai là, quand vous gagnez? C'est vraiment pas possible. Bah ce tank là il est vraiment spécifique, mais pour une map de ville c'est pas mal hein. T'as le plus gros, Bah il faut juste que je me plante, mais il faut que je sois plus en... Mais là on fait quoi là? Eka va ouvrir la marche. C'est le char le plus blindé en fait qu'il a, Eka. Domingo arrête, tu vas nous opérer là. C'est parti. J'ai fait tomber le char. Foncez. Oh putain, non mais Castien, tu vas me taper dans le cul. Foncez. Ouais, c'est trop bien, c'est une colonie de... Oh ouais, juste what? Toi qui tires dessus Domingo comme ça? Vas-y. Non, c'est pas moi, je te jure. Mais là, on se retourne pas pour taper le mec derrière? Non, vous vous foutez dans le cap numéro 2. Y'a un mec, Argot en face. Et lui, moi je dis, on en fait notre 4 heures. Jous avance. Et j'ai le char derrière moi. Jous avance. Faut que j'aide Jous les gars. Il va nous harceler comme ça en fait. Il va jouer comme ça. Non mais je vais le garder en joue mais... Vas-y, faites ça! Je tente un truc. Pars-toi! Et mercredi. Mais what? C'est quoi sa vitesse de déplacement? Vas-y, faut que tu te sortes, ouais, voilà. Le MOS, faut que tu viennes avec nous, faut que tu t'en ailles. Ouais, j'essaie. Parce que là, il va nous troller en fait. Oh putain, mais. Je perce pas, il me massacre. Bah, vas-y, pchou, me casse. Foncez sur les. C'est bon, si Jules est passé, on peut y aller. Ouais, foncez sur eux. Allez, on la fonce dessus, Domingo! Domingo, t'es un fonceur! Ah bah mec, j'ai bien foncé déjà, ils sont très très weak. Touché! L'OHP en face. Il m'a massacré. Boum, raté! Suivez-moi, mes frères! Ouh! Mange! Écrit en haut, le gars de cliquette là! Je capture, hein? Je peux capturer, je pense là, non? Le gars, il y a le bandit, il y a toujours non, derrière. Non, faut que ça dans le cap. Enfin, si je capture la base. Bon. Si t'es dans le rond blanc, c'est ok. Moi je l'ai esquivé quoi. Oh là là. Mais il fait que pas percer là. Oh mon conseil de genre de merde. Si jamais tu t'as pas l'accès. Oh merde. Oh père. Moi s'il faut mettre 100 boules pour percer, je vais chercher les deux dans les deux qui sont. Les gars. Joue derrière toi, joue derrière toi. Le dandy derrière. Boum alors. Et retourne ton. Non, regarde à droite. Je pénètre jamais ça. Calme-toi. Je pénètre jamais. Ça va pas ou quoi? Casse-toi Zera, vite fait. Voilà. Comment ça casse-toi Zera? Je me mets derrière toi. Quoi? Ah j'ai pas percé. Ah bah voilà, tu vois. Vous tirez dans les plaques de blindage les plus perpendiculaires. D'accord, les plus plates.
face. Bah c'est clair mais... Ah mais je peux pas là. En fait bon, je tire un peu où je peux si tu veux. Ah ouais mais prenez votre temps, prenez votre temps. Non mais là ils vont... Mais gaffe parce que le gros truc là, le JPE 100, il vous sort en un coup chacun. On va se faire get clicked là. Ah, chenille HS. Ouais, j'étais sûr que j'allais pas percer, mais bon, là, c'est fait. Non, mais je peux pas tirer, y'a Jous. On va tenter d'autres. Et j'essaie de mettre, Voilà. Aidez-moi. On pourrait changer de map aussi, quoi, parce que. Y'a un mec qui va tirer dessus. On va changer de map, Mais là, le mec là. Mais pourquoi? Non, mais il est là. Il est là, il est derrière moi. Mais Jous, mais c'est pas un combat de 4, Jous. Tu fais de la lutte, mec. Les mecs. Vite. Au secours, à l'aide. J'ai été mauvais. Bon, bah, même en 4v5. En 4v5, on se fait dead. Pourquoi? Bah là, ah, il jouait des positions défensives et. Il jouait l'autre, Il jouait, Oh. Waouh. Oh. Ah non, ils étaient 4. Ok. Bah, s'il y a moyen de changer de map, d'avoir une map un peu plus ouverte. Moi qui fait le plus de damage. Veux... En dégâts, j'ai pué là, j'ai pué. On met quoi? Juste change de mais char. Une map de désert, oui. C'est sympa. Mais celle qui est désertique avec la ville au milieu. Dans la ah oui, c'est vous avez fait l'année dernière. Moi parce je dis. Que voilà, honnête... elle était l'an dernier, donc je pense qu'ils la remettront. Les gars, j'ai pas envie de faire chier, mais moi je suis un mec un peu hors méta. Tout ce qui est non sans rechargement ou quoi, moi le bad chat il m'allait super bien. Mais garde-le. Tu mets un bad chat et je prends n'importe quel char français, t'auras un rechargement. Ah ouais? Oh, je vais faire français. Hein. Ça fera plaisir au gouvernement et tout, on va faire ça. Ça fera de la pub. Moi je reprends le bad chat du coup. Si on est map plus ouverte, c'est plus sympa. Donc deux bad chat c'est bien. Et après derrière du lourd, ça peut être bien aussi. C'est bien. Ou alors Juice aime bien le lourd qui ne bouge pas. Qui oui, est oui, non, mais là c'était beaucoup trop lourd. Et alors, là, question, ça vaut pas le coup qu'on ait une seule artie? Non, on est pas assez nombreux pour que l'artie puisse faire les dégâts correctement. À 7, ça aurait été possible. D'accord. Mais je commence à comprendre en fait, faut pas taper. Oui, je suis très con, à chaque fois je tape. Parce qu'en fait, l'endroit le plus facile, c'est là où c'est le plus blindé. Exact. C'est ça. Mais du coup, tu te dis, bon, on va le taper. Et c'est quoi pour revenir? C'est. Combattre. Ah, mais c'est grisé. Parce que t'es déjà dedans. Ok, donc oui, je suis bon, j'ai rien. T'es déjà dans la salle, c'est bon. Là, ah, mais le truc, comment tu peux. Tout, ah, faut comment que je tu peux, genre là, ils avaient un char lourd qui était genre dans un trou. Et le seul moyen de l'avoir, et ben, c'était juste de pouvoir le rusher en fait. Oui, voilà, c'était juste le rusher. Non, parce qu'après, il y a un truc qu'on vous a pas dit, parce que ça, c'est un peu plus technique. C'est en fait, il y a tous les chars généralement ont un tourello. C'est-à-dire qu'il y a la tourelle et au-dessus, il y a une petite tourelle qui est pour tirer sur l'aviation ou sur l'infanterie. Et en fait, ça, c'est un point faible dans le char, par exemple. Et donc, quand t'es encore à corps et que le mec, il a protégé sa caisse par des éléments de décor et qu'il y a que sa tourelle qui sort, tu peux tirer sur sa tourelle. Okay. Mais par exemple, le FV2 115B, son tourelo, il est difficile à avoir. Tout à l'heure, j'étais en duel avec lui et j'ai réussi à lui pénétrer une seule fois. Vous voulez pas jouer pas en 10? Bah, on en fait dernière en 10 et après on changera si vous voulez. Non, mais essayons d'en faire en 10 parce que c'est ce qu'on va jouer normalement à la plus. Ah, c'est en 10? Parce que moi j'avais le ELC bis en 5 que j'adorais, c'était une petite. Ce sera soit du 6, soit du 8, soit du 10. Ouais, il y aura pas de tier 5 là-bas. Et c'est quoi le bad chat? C'est lequel déjà que tu m'as dit? C'est pas ceux-là. C'est un bad chat au début. Ah, le 25T, voilà, c'est ça. Batignol Châtillon. Ah, c'est quand même très stratégique. Hein. J'avoue. Bah ouais, c'est sûr. Bah, en fait, le fait que le jeu soit très lent, parce que quand tu te déplaces et tout ça, il faut prendre les bonnes décisions. Ouais. Voilà. Parce que du coup, quand tu fais une erreur de placement. C'est un peu droit à l'erreur en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Ça. Quand t'es face à un mec qui sait jouer et que tu fais une petite erreur, il en profite direct et tu te fais niquer quoi. Mais là, tu veux pas virer vite fait les mecs qui savent jouer là? Histoire que. Non, t'as pris un 9, Juice. Domingo, prends le, Prends le T57. Juste, prends le T57 Heavy américain. Ça devrait te plaire. Ah ouais? C'est un lourd américain. Ça s'appelle T57. Ok, je note, j'y vais. Mais ça moi, sort de la France, du coup c'est bon? Ouais, je suis pas sûr qu'un T57 oui, c'est bien pour Domingo. Justement, mais bon. C'est, il est spécial. Pourquoi? Divergence dans les. Parce que c'est un char qui a une puissance de feu assez conséquente, mais il est lent et il est facile à pénétrer. Il est pas lent, ça va, c'est pas très grave. Quand même. À la limite. Il bouge le cul. Ouais, il est lent pour ça, je veux dire sa catégorie de blindage. Question du coup. Non, je vais rester sur le bad chat. Du coup, fais comme tu veux, c'est toi qui choisis. Un face à face contre un tank, comment se passe la situation en fait? Si genre on peut pas pénétrer la tourelle qu'elle a au-dessus, on se regarde ou on s'écrase? Comment ça se passe? On descend des tanks, on se met des chiffres, enfin comment ça se passe? L'option de la descente est très bonne. Bah tu refuses le coup, si jamais par exemple le mec il est dans une position trop favorable par rapport à toi, tu refuses le combat en fait. Tu recules.
Tu recules, d'accord. Tu vas ailleurs, il faut pas s'entêter, parce que si tu vois par exemple que tu lui as mis deux obus qui n'ont pas pénétré et que lui il te met des obus qui pénètrent, là ouais. Effectivement tu vas pas finir long feu. Ouais. Voilà, tu vas pas faire long feu. Donc il faut savoir se dire bon, là il est dans une position trop favorable, je vais reculer et je vais attendre mes coéquipiers qui viennent le flanquer ou des choses comme ça. Voilà. OK. Alors messieurs, ouais. Je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes. Oui, et ensuite on lance le match. Dire, bien sûr. Ensuite on lance ce match, parce que comme ça là on a posé les bases. Juste avant, c'est quoi le truc T57, c'est quoi l'américain qu'on m'a L'américain compris. C'est T57 Heavy. Ouais. Heavy Tank, ok. Mais là oui. Sur cette map, les mecs prenaient plutôt des trucs moyens ou légers, je sais pas. C'est bien T57 pour ça là? Non, bah, pas c'est... pour cette map. Ah ok, je reprends en bas de chat alors. C'est bon, on peut pause. Allez les gars, on revient dans 5 minutes, donc bougez pas, et ensuite on repart en game avec les joueurs qui sont en face. A tout de suite. A toutes. Bougez à pas. À toutes.